Après avoir fait ses armes sur PC pendant de nombreuses années, Sherlock Holmes débarque pour la seconde fois sur DS dans un épisode taillé sur mesure pour la console de Nintendo. Loupe, fulgurance et flegme tout britannique en stock, le héros, lancé sur la piste du secret de la reine, fait cette fois honneur à sa légende et apaisera les spectateurs scandalisés il y a quelques mois par les grimaces et le cabotinage de Robert Downey Jr. au cinéma. L'histoire de Sherlock Holmes DS, le secret de la reine, va confronter le joueur Alexandrine Victoire de Hanovre, plus connue sous le royal sobriquet de Victoria. Reine et impératrice, femme de caractère à la longévité monarchique exceptionnelle, Victoria se retrouve au milieu d'une tentative d'assassinat que Sherlock Holmes et son fidèle Dr. Watson vont devoir déjouer. Visiblement destiné à un public peu habitué à la résolution d'énigmes, ce point and click assez basique aligne les casse-têtes aisés et la recherche d'indices. Succession d'écrans fixes assez jolis mais trop fouillis dans lequel vous devez dénicher quelques éléments interactifs, Sherlock Holmes DS, le secret de la reine, sollicite essentiellement votre logique. Retrouver la combinaison colorée d'un coffre, recoudre un filet ou désamorcer une bombe d'un seul trait de stylet, le challenge n'a rien d'insurmontable. Quelques rares épreuves présentent un semblant de difficulté, parfois lié à un défaut d'explication, mais il ne faudra pas vous creuser les méninges bien longtemps pour s'en sortir. Chaque énigme vous rapporte des points et votre cagnotte globale vous permet ensuite de débloquer quelques puzzles bonus que vous pouvez résoudre à tout instant en passant par l'interface générale. L'interface, c'est justement le plus gros défaut de ce Sherlock Holmes DS, le secret de la reine. Alors que le point and click moderne se veut intuitif et tente de limiter le recours à des écrans et sous-écrans d'inventaire et de parlotte, la production de Frogware adopte une construction archaïque. En plus d'une interface peu claire, un temps de latence assez pénible ne fait qu'accentuer ce sentiment de piètre ergonomie de ses sous-menus. Le petit studio semble avoir voulu faire le pari du tout tactile et a ainsi oublié que les boutons de la DS permettent de concevoir des raccourcis bien pratiques pour ce genre de produit. De plus, le recours systématique au stylet n'est guère pertinent si la précision n'est pas au rendez-vous. Dommage. La note jeu actu, 11 sur 20.